Vas-y. On en parlera après. Bon alors, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Je suis Flavio Pérez, superviseur technique chez l'Effet Spécial, et je suis accompagné de Damien Picard et de Kevin Nguyen, ici présent. Ancien du collectif, toujours pas ancien d'ailleurs, collectif RGBA aussi de Toulouse. Et on vous l'a pas assez piqué, désolé. On va vous parler de la fabrication du musée de l'Odev sur laquelle on a œuvré un an et demi déjà. Et on va vous parler de l'axe aussi logiciel libre, bien sûr, autour de ce projet. Alors, ce projet, c'est un musée qui, comme son nom l'indique, est à l'Odev, à côté de Montpellier. C'est un musée qui a trois axes, qui sont la préhistoire, qui couvre de moins 1 million d'années à moins 5 000 ans à peu près, de la géologie. Là, on a des ammonites qui ont 190 millions d'années, mais ça monte jusqu'à 540 millions d'années. C'est toute l'histoire du territoire du Lodévois, d'un point de vue géologique et de la vie, des traces de la vie qu'on trouve. Et aussi des beaux-arts à travers le sculpteur Paul Dardet, qui était un sculpteur de l'Odev, et le musée détient un fonds. Donc c'est un musée qui a trois collections très différentes sur lesquelles on a œuvré. On ne va pas vous parler aujourd'hui de celle de Dardet, pour laquelle on n'a fait qu'un seul film, qu'on peut voir ici au fond, qui est une sorte de diaporama sur sa vie. Mais on va vous parler du reste, parce qu'on a fait beaucoup d'autres choses. Alors, c'est un gros projet pour la ville de l'Odève. C'est un projet à 3,9 millions d'euros de travaux, de réinstallation, de construction. Il y a un renouvellement complet des collections. C'est un musée qui date des années 60, qui a été renouvelé plusieurs fois. Ils ont revu les collections, doublé les espaces de collections permanentes. C'était un musée qui était très connu dans la région pour ses expos temporaires, mais pas pour ses collections permanentes. Donc ils ont voulu remettre ça en avant et redorer le blason du projet. Donc les espaces ont été doublés et pour l'occasion, il y a une heure de contenu multimédia qui a été demandé dans un appel d'offres qu'on a remporté. C'est sur quoi on a travaillé. Pour passer de ça à ça, il y a beaucoup de travail, de beaucoup d'intervenants, pas que de nous, hein, mais de tous les métiers, tous les corps de métiers. Il y a de la coordination pour AG Studio, il y a la scénographie et l'architecture qui a été mise en place par le studio Projectile. Il y a Polygraphique et Studio Le Bleu qui interviennent dans le graphisme, par exemple. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants. Il y a les meubles, les lumières, le soclage, la signalétique, il y a tout ça qui est à construire. Et il y avait un an et demi pour faire tout ça. De notre côté, ça a été beaucoup de réunions, bien sûr, pour savoir ce qu'on allait fabriquer. Donc la première étape, c'est de savoir ce qu'on va concevoir avec le musée. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges, beaucoup de documents reçus pour créer cette heure de contenu. La première phase, je vais passer un peu rapidement sur la phase direction artistique, mais en gros, la première phase, typiquement, c'est de créer des planches tendances, comme ça, des planches de référence pour voir si les directions graphiques qui nous inspirent sont les bonnes et sont celles que le musée veut. Et à partir de là, on va partir surtout d'une phase assez longue de recherche graphique. Donc là, on a Léa, qui est notre directrice artistique sur la partie archéologie, qui a fait beaucoup de dessins, donc je vais vous en montrer quelques-uns, qui ont été différentes étapes pour affiner le style graphique du projet. D'accord ? Ça peut être des personnages, ça peut être des décors, ça peut être des choses plus ou moins fortes, très pop comme ça par exemple, des pistes tentées et discuter avec le client qui est le musée pour savoir si c'est ce qu'on voulait faire, des choses plus illustrations pour enfants par exemple, des choses qui ont été mises de côté souvent, et on a commencé à aller dans ce genre de direction avec des aplats, quelque chose qui jouait sur des plans un peu comme au théâtre. Et en affinant encore, en testant différentes choses, différentes compositions, en jouant sur le chaud et le froid, aussi dans les couleurs par exemple, on a commencé à se rapprocher de ce qu'il souhaitait, en se faisant un peu engueuler aussi parfois pour un design un peu trop fashion pour la préhistoire. Et on est arrivé à cette famille qui définissait le style graphique des personnages. D'accord ? Donc il fallait pas non plus, il fallait pouvoir être un peu précis, sans en montrer trop, parce qu'on n'avait pas forcément toutes les techniques de couture, ce genre de choses, donc ils étaient très contents qu'on ne montre pas trop de détails. Ce travail-là, on l'a décliné aussi sur les décors, sur les ambiances, bien sûr.
Donc ça, c'était une des premières recherches qui a commencé à vraiment définir quel niveau de détail on veut avoir sur les décors, sur certains éléments du décor et des choses plus simples ou plus abstraites, on va dire, en arrière-plan, par exemple, juste pour suggérer un champ ou une montagne. Et c'est sur ça qu'on a commencé à jouer. Alors, l'archéologie, c'est une douzaine de films ou d'éléments graphiques à créer, donc des films qui vont de 1 minute à 3 minutes. La géologie, il y avait aussi des recherches graphiques. Là, ces exemples-là sont clairement archéologie. Mais une fois que ce style graphique, comme on peut le voir ici, avec ses aplats, ses couleurs, ses chauds et ses froids, était défini, on a deux phases qui sont l'écriture des scénarios, sachant que le musée nous avait déjà fourni une sorte de guide en disant voilà, on veut parler de tel et tel, on veut parler de ça, on aimerait bien qu'il y ait un fil conducteur entre les films, donc un clan qu'on retrouve de film en film, par exemple. Ceci dit, les scénarios étaient très complexes parfois, et nous on a travaillé à simplifier ces scénarios, voir ce qui était de l'ordre de l'action qui était important, et de l'ordre de quelque chose qui est plus en arrière-plan, par exemple, qui est présent, mais c'est un détail. Et on a fait des storyboards. Donc, en parallèle de l'écriture, donc les storyboards, on en a fait plein. Là, je vous en montre juste un des films, une des actions. Il y en a de différentes natures. Par exemple, ça, c'est le premier film qu'on voit dans la partie archéologie. Mais c'est un film très simple et c'est juste une caméra qui va tourner en boucle. Donc, on commence en haut à gauche, puis la caméra va aller à droite, puis elle va redescendre dans ce qu'on appelle les canelettes, qui sont des sortes de failles naturelles dans lesquelles les humains se sont réfugiés et ont créé des abris qu'on trouve en bas à gauche. Mais c'est une seule caméra qui va tourner, par exemple. Donc là, c'est un storyboard un peu particulier qui mélange aussi déjà des recherches graphiques de décor pour expliquer facilement aux clients ce qu'on va avoir dans le film. On n'a pas fait que du bureau. On a eu aussi l'occasion d'aller sur le terrain, notamment à la grotte d'Alden qui se trouve à 1 heure de Montpellier. Malheureusement, je n'ai absolument pas le droit de vous montrer les photos de l'intérieur de la grotte pour des raisons de sécurité de la DRAC. Ceci dit, si vous trapez grotte d'Alden France 3, il y a eu des reportages qui ont eu lieu dans la grotte et vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Mais on va quand même vous dire ce qu'il y avait dans la grotte un peu plus tard. Donc c'était une sortie assez rigolote de spéléo, 5-6 heures de spéléo pour aller découvrir ce dont on allait parler dans le film. Et ce dont on allait parler dans le film, ces trois phases, par exemple, de l'utilisation de cette grotte, une phase très ancienne de présence animale, et notamment d'ours et cavernes et de hyènes, qui ont été très présentes, qu'on fait des nids, qu'on laissait beaucoup de griffures sur les murs. Et ça, c'est des choses qu'on voit en allant dans la grotte aujourd'hui. Il y a 30 000 ans, la visite... on a estimé qu'il y avait deux personnes, mais de quelqu'un ou un groupe de personnes qui est venu graver, faire des gravures dans la grotte. Et plus récemment, il y a 8000 ans, un clan, une famille, entre 10 et 20 personnes qui sont rentrées dans la grotte, qui l'ont explorée, qui ont laissé des traces d'exploration, des traces de brûlures, de torches, et surtout des empreintes de pas qui sont restées dans la boue et qu'on voit aujourd'hui. Et donc, on avait un film qui parlait de ça, par exemple. On a vu le clan tout à l'heure un peu jaune, habillé en jaune. Il y avait aussi ce clan qui est un peu plus ancien, mais qui apparaît que dans un seul film. Mais pareil, on fait des recherches comme ça et on définit la taille des personnages, les familles de personnages. Et pour la partie décor, on a l'habitude de travailler, nous, en noir et blanc d'abord, le traçage du décor, pour vraiment être en discussion avec le musée, ou le client, mais avec le musée, sur la composition de l'image, sur la composition des lumières, mais en noir et blanc, avant de les passer en couleur. L'avantage de quelque chose comme ça, c'est que dans une première phase, le client se concentre vraiment sur la composition de l'image et l'intensité lumineuse qu'il va y avoir dans l'image, sans commencer à dire « Ah, c'est pas le bon vert », parce que ça se trouve, c'est pas le bon vert à cause de la lumière, mais ça pourrait être vraiment une question de couleur. Mais donc on sépare ces deux phases en deux, et donc par exemple, on voit ici un même décor à deux étapes. Alors on s'est amusé ici des fois parce que les décors nous ont fait penser au Seigneur des Anneaux, donc on avait des petites choses comme ça des fois quand nos graphistes s'ennuient, ils nous font des petites blagues. Là j'ai un autre exemple de décor aussi, alors ça c'est une des premières recherches graphiques qui plaisait pas au musée, le point de vue, l'angle, etc. Donc on était parti sur ça. Et ça c'est un exemple de décor qui est décliné en différentes saisons parce que dans le film on va le voir se vieillir. Donc juste pour le plaisir de vous montrer les différentes saisons, je passe assez rapidement sur ça. Mais on en a fait pas mal de variations du même décor qui se détruit au fur et à mesure, par exemple.
Donc on le voit ici. À chaque fois, il y aura des animations, de la pluie, des sangliers, ou des choses comme ça, jusqu'à une phase. Et après, il a été reconstruit par un nouveau clan qui est venu, qui a reconstruit quelque chose de différent par-dessus, par exemple. Donc des décors comme ça, il va y en avoir plein à fabriquer aussi. Sur un projet comme ça, c'est plusieurs centaines de décors pour chacun. Des fois, un plan à un décor, donc et du travail. Et en plus des décors, avant de parler des personnages, on peut avoir aussi plein d'accessoires à construire. Donc là, j'ai juste quelques exemples. Mais ça peut être des toutes petites choses comme ça, des petites poteries ou des gros objets. Donc là, le personnage fait référence pour la taille de gros objets qui vont être tirés par des animaux, par exemple. Ça peut être des outils, ça peut être toutes sortes de choses. Et ça aussi, on va avoir des centaines d'éléments à construire comme ça pour un projet de ce type-là. Je vais laisser la parole à Damien qui va vous parler maintenant des personnages et plus particulièrement de la technique qu'on a employée pour ce projet, c'est-à-dire des pantins. Bonjour à tous. Alors les pantins, c'est ce que les personnages qu'on voit apparaître à l'écran qui sont dessinés dans différentes... d'abord en ligne à droite et puis colorisés à gauche. Apparaissent dans le film tels qu'ils sont à peu près tels qu'ils sont dessinés. Alors pour faire un peu un historique de cette technique, enfin l'historique assez bref, je vais pas retourner au début du 20e siècle, mais disons sur les dernières années, il y a un film qui est sorti en octobre dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Dilili à Paris de Michel Oslo. Pour lequel l'effet spécial a utilisé Blender pour faire des personnages en pantin. Ça a été présenté l'an dernier au Capitole du Libre. Alors si ça vous intéresse d'entrer plus dans les détails de technique et de Rigify et compagnie, vous pouvez toujours regarder cette conférence-là. Mais je vais quand même expliquer un peu brièvement en quoi ça consiste. Je reviens là, je ne vois pas ce que je fais. Quelque chose ? Ça l'a joué, en fait. Ah bon, d'accord. Alors là, c'est le personnage qu'on voit là, c'est Henri Matisse qui apparaît dans Dilili à Paris, donc le film de Michel Oslo. L'éclatement là qu'on voit, c'est tous les éléments qui composent ce personnage. Alors il est d'abord dessiné par le graphiste ou le concepteur du film. Et ensuite, une équipe va riguer ce personnage. Un petit peu comme l'a expliqué Julien tout à l'heure, c'est-à-dire permettre l'animation en créant des contrôleurs et tout un processus assez technique, pour faire ça. Nous, on, donc, dans ces, pour ce processus, c'est en 2D, là, c'est ce qu'on voit à l'écran, les personnages sont plats, ils sont plans. Ils sont dessinés, ils sont en même temps animés. Donc, ça permet de retrouver à l'écran ce qui a été dessiné, ce qui a été designé par les graphistes. Ça permet aussi, par le fait qu'on insère ces personnages dans un espace 3D, de profiter des possibilités de mise en scène ou de rendu qu'offre l'image de synthèse 3D. C'est ce qu'on voit dans cette séquence. Tous les personnages qu'on voit en bas... Pardon. Tous les personnages qu'on voit en bas sont animés individuellement. Ils ont été chacun dessinés, découpés, rigués. Mais en même temps, on perçoit que la caméra se déplace parmi eux. Donc ça c'est ce que je disais, ça permet d'avoir une mise en scène qu'on n'aurait pas si on dessinait simplement ou si on les animait de manière plane. Là, on a vraiment un relief dans les décors également, donc qui est très intéressant comme technique hybride pour nous, qui a les avantages de la 3D et certains avantages du dessin direct et une approche plus directe, disons, entre la partie conception et la partie animation. Pour le musée de l'ODEV, donc on a des planches de dessin, de design des personnages. Là, on voit par exemple en bas à droite les différentes mains qui ont été dessinées, qui permettront d'être animées. En haut à droite, les expressions faciales qu'on retrouvera dans le rig qui permettra d'animer ce personnage dans les plans.
Alors comment ça marche? Toutes les formes vertes, bleues, rouges qu'on voit dans cette image représentent les points de pivot. Alors il y a un équivalent avec les os dans le rigging 3D, sauf que là, bah, nous on est en plan, donc on perd une dimension, on s'emmerde un peu moins. Ça reste assez complexe quand même, parce qu'il y a beaucoup d'articulations différentes et il y a un rig assez complexe. On envoie une démonstration d'animation de ce personnage. Peut-être. Je comprends pas ton programme. Différentes possibilités d'animation. Par rapport à la conférence de l'an dernier, je vais pas revenir sur les différents contrôles. Il y a eu quelques modifications, quelques ajouts de fonctionnalités sur ce projet. Une chose qui est importante, c'est qu'il y a eu un début de collaboration avec les personnes qui font la maintenance de la donne Rigify, l'autorig Rigify sur lequel est fondé le système de Pantin, dont a parlé Julien Durour dans la conférence précédente. Et donc il y a une collaboration avec les gens qui font cette maintenance pour faciliter la création de rigs perso, par exemple ce rig de Pantin qui est en fait hyper bizarre. Genre, si tu fais du rig 3D et que tu vois ça, tu dis mais c'est pas Rigify, ça c'est autre chose. C'est un peu autre chose, ça utilise Rigify, mais ça permet de faire d'utiliser un autre système. Et donc avec ce qui est en train d'être développé, on pourra plus facilement distribuer le rig de Pantin dans un Blender existant utilisant Rigify. Ça permet de faire de l'animation expressive aussi. Ce plan, il se retrouve pas dans le musée, malheureusement. Il a été coupé au montage. Comme la tête, exactement. En revanche, ce film est présent dans le musée. Alors l'idée de ces films, c'était pas de montrer très précisément ce que faisaient les personnes qui habitaient au néolithique, mais plutôt une évocation de leur mode de vie, de leur pratique. Il y a plein de choses qui sont évoquées à l'arrière-plan, qui sont pas montrées directement, mais qui restent, qui existent. Et donc qui ajoute de la vie dans ces scènes. Il faut imaginer que c'est de la muséographie, donc tout ce qu'on voit à l'écran est présenté dans le contexte d'une exposition avec d'autres pièces, des pièces archéologiques, des objets d'époque, des haches, des vases, etc. Donc ce qu'on voit là se retrouve en vrai juste à côté dans l'exposition. Là, donc, ce film-là, c'est sur les haches polies. On voit tout un processus complexe qui a été inventé pour faire des haches à partir de pierre, avec de l'abrasif, en polissant la hache sur l'abrasif sur une autre pierre. Et il y a tout un côté sur la transmission du savoir qu'on voit ici. C'est un processus très long. Un peu comme le rigging, en fait. Mais ça fait des jolies choses. Et donc, ces haches polies, on les voit en vrai dans le musée. Alors, je vous invite à y aller parce que c'est quand même très beau et très émouvant de voir des objets qui ont été faits par des gens il y a 5000 ans ou je sais pas combien. Et qui sont peut-être pas comme neufs, mais presque. Pour la suite, j'invite Kevin à parler de sa partie. Rebonjour à tous. Du coup, là, ici, je vais vous présenter, en fait, les travaux qu'on a fait pour un autre programme. C'est un programme, en fait, avec quatre projecteurs qui projettent sur un écran en circulaire de 180 degrés, avec aussi un environnement sonore. Le but de cette installation, c'était de montrer plusieurs tableaux et de remonter le temps. On commençait avec des tableaux de cette époque, puis après on remontait au Moyen-Âge, etc. Et on revenait pour présenter des époques et temps géologiques. Donc moi, je ne sais pas faire de Pantin.
On a beau avoir un outil. Alors du coup, plutôt des pantins un peu customisés et avec certaines animations. Et en fait, avec ce pantin-là, en fait, le but, c'était de le mettre en scène dans ce type de tableau. Et donc pour ça, en fait, donc j'ai fait une animation du pantin, celle que vous avez vue précédemment. Et j'utilise après tous les petits outils qu'on a pour bidouiller, pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc j'ai utilisé l'animation joiner de François. Il a pour béquer en fait l'animation, et après je décalais l'animation de chaque instance, et je pouvais donc animer ici avec un système de particules ces pantins. Et donc, grâce à ça, j'ai pu faire encore d'autres tableaux. Et là, vous pouvez voir encore d'autres tableaux qui sont présentés ici. Avec en dessous, le but, c'était de représenter aussi un fossile de cette époque-là. Donc, vous pourrez voir, si vous êtes dans le musée, le fossile qui est représentatif de chaque époque. Pardon, je suis passé un peu vite. Et donc, voilà, on voit chaque époque représentée avec les couleurs qui sont liées à la couleur du temps géologique. Et à la fin, vous voyez en fait tous les fossiles représentés dans cette scène. Donc, je vous invite. Ce programme, il a été assez expérimental sur pas mal de points. Et à la base, en fait, il y avait une idée, c'était de remonter la ligne du temps. Alors du coup, pour ça, on a fait un travail où on a juste expérimenté. On a fait un système pour générer des lignes avec une certaine animation. On a commencé avec processing, à générer donc juste avec des équations, des courbes, montrer des variations. J'en laisse encore une. Donc voilà, c'était juste lancer des idées pour voir et voir qu'est-ce qui pourrait montrer qu'on remonte la ligne du temps. Et donc ces animations-là, en fait, elles sont faites avec Animation Node. Et en fait, le but, c'était voilà, d'avoir des contrôles pour générer tout ça. Donc juste avec des empty, contrôler, en fait, des cosinus et des sinus, finalement. Et on instancie des courbes pour essayer de faire une sorte d'animation. Et sinon, dans tous les programmes d'animation, si on avait besoin d'un effet spécial particulier pour faire du feu. Donc ici, c'est une technique qu'on peut retrouver, qui est présentée par Simon Trumpler, qui est VFX artiste sur un jeu vidéo qui s'appelle Rime. Donc il a présenté cette technique dans des conférences. Et ici, en fait, le but, c'est de prendre en fait une texture de bruit. À gauche, vous voyez en fait deux textures de bruit qui se déplacent vers le haut à des vitesses différentes. Sur la seconde vidéo, vous voyez en fait la passe de. En fait, c'est deux passes du V ici, juste à droite. Donc la passe U et la passe V, où on applique en fait ce displace, cette translation de bruit. Donc on applique en fait, le but c'est d'utiliser cette passe pour faire du displace sur la texture en X et en Y. Donc on utilise comme base pour faire du feu une texture avec trois canaux. Ici donc avec le vert et le rouge pour faire la texture, pour faire le feu, et le bleu juste pour que ce soit en fond. Et en faisant donc ce displace, on arrive à un effet stylisé de feu un peu cartoon. Et donc ça, c'était encore une expérimentation, parce que finalement on l'a pas gardé, parce qu'on se retrouve en fait avec une plaque et il faut faire après la subdiviser, faire des déformations pour pouvoir le déplacer, parce que les personnages marchent comme dans la grotte, et du coup c'était un peu compliqué de l'utiliser, donc on n'a pas gardé ça. On a encore fait ici d'autres expérimentations. Ici à gauche, vous pouvez voir, c'est en fait displacement avec du bruit, avec juste un mesh qui est déformé. Et donc là, c'est voilà, faire des tests de déplacement en animation. Et à droite, vous pouvez voir, en fait, là, on a fait une autre technique avec des metaballs. Et donc avec un système de particules et des metaballs,
on arrive à générer des groupements de, qui permettent d'avoir une base assez compacte et lorsque ça monte, avoir des petits bouts de feu qui s'estompent en montant. Et là, en dessous, vous pouvez voir vraiment une animation qu'il y a dans le film. On peut voir que ça fonctionne quoi, dans le mouvement et que ça donne et ça rend aussi cet effet cartoon qu'on désirait. Donc on a gardé pour la grotte le feu à droite. On a testé aussi une autre technique. Ici, c'est Gustafsson qui a montré cette technique-là. En fait. C'est une expérimentation où on utilise du coup en fait, une passe de particules avec des plaques pour faire une passe de couleur jaune. Et par-dessus, on va en fait placer en fait des particules. Elles peuvent soit monter, mais aussi on peut le faire venir dans un autre sens pour en fait, couper en fait l'alpha de cette passe pour après, si on fait plusieurs fois, en fait ici on fait deux passes à droite de cette technique-là pour avoir une sorte de feu stylisé. Et donc juste à droite, pareil, j'ai testé donc déplacer, voir qu'est-ce qui se passe. Et à la fin, on voit qu'en fait, c'est un peu, faut pouvoir bien gérer les particules négatives qui vont supprimer vraiment le feu et donc ça fait un effet un peu bizarre. Donc après, on a utilisé encore ces techniques avec des particules. Avec ici cette fois-ci, c'est en fait, on additionne, on passe plusieurs fois. On lance plusieurs particules et on additionne juste avec des seuils pour pouvoir avoir, pour faire du feu et de la fumée. Ça marche super bien pour la fumée. Et donc là, ça permet vraiment de... C'est en fait vraiment un système additif. Et ici, c'est fait avec Fusion. C'est pas avec Blender, mais tout le reste, c'était Blender. Et en fait, c'est au compositing. C'était assez simple de le rajouter à la fin. C'est pour ça que ça a été fait avec cette technique-là aussi à la fin. Donc maintenant, je vais vous présenter autre chose qu'on a réalisé pour le musée. C'est en fait tout ce qui est réalisation de modèles imprimés, enfin bon, par soit stéréolithographie ou par en fait avec une tête foreuse, avec un bras à 6 axes. Ça vous permet, ils arrivent à graver à partir de blocs usiner des morceaux d'os ou de dalles qu'on a reproduit. Donc ici c'est des os. Vous pouvez voir ici les os bruts dans leurs sédiments, différents types d'os et qui ont été scannés à Nîmes dans l'université. Si c'est bien ça. Donc vous pouvez voir ici les résultats des scans. Et donc ici, vous pouvez voir comment ça a été après installé dans le musée. Donc il y a seulement quelques ossements et donc ils reprennent une armature en métal pour positionner ces os. Et ici, c'est un des peintres de l'entreprise Sequoia à Paris qui a réalisé donc tout l'usinage des os et aussi des autres composants qu'on va vous montrer. Donc le peintre, il a pris comme référence les ossements, il a peint, il a fait un travail assez magnifique pour essayer de reproduire au mieux les os. On peut voir ici quelques exemples. Il y a encore d'autres exemples de l'installation. Donc en plus de ça, on a réalisé aussi un livre avec des empreintes et des contre-empreintes. Il y a 4 pages. Que vous pouvez voir, 4 doubles pages, pardon. Et l'une des pages qu'on va vous présenter, le processus de fabrication, donc c'est pour présenter en fait des gouttes d'eau fossilisées. Donc ici, vous avez des gouttes d'eau fossilisées, c'est l'empreinte des gouttes d'eau. Ici, vous avez la contre-empreinte des gouttes d'eau fossilisées. Donc pour réaliser ça, donc. On a utilisé ici, pour montrer très simplement, en fait, on faisait plusieurs lancers de particules donc, sur une plaque où je récupérais ici en premier donc, une goutte d'eau,
puis à droite, pardon, je vais expliquer plutôt déjà le principe, comment on a voulu fabriquer ça. On a voulu utiliser une technique en fait en 2D pour pouvoir réaliser, récupérer une map de hauteur avec laquelle on va déplacer un maillage d'une plaque et après, grâce à la hauteur de la valeur au niveau de gris sur l'image, on déplace le maillage pour créer un modèle en fait après en 3D. Et le but d'utiliser en fait cette technique de displacement en 2D, ça permettait qu'à la fabrication, on soit sûr qu'il n'y ait pas des choses qui se superposent et qui pourraient être compliquées à être usinées. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire ça en 2D. Donc ici, on récupère une goutte d'un lancer de particules, une autre goutte d'un lancer de particules. Et ce qu'il fallait trouver, en fait, c'était une méthode de faire en sorte de qu'elles se superposent, en fait. Et donc il y a plusieurs passes de lancer de particules qui permettent donc d'avoir cet effet de gouttes d'eau qui tombent les unes par-dessus les autres, qui créent des cratères. Et quand il y a une autre goutte qui tombe, que ça casse le cratère d'en dessous et crée un autre cratère. Et donc ça nous permettait, après coup, en ajoutant une texture de sol, d'avoir ce résultat-là. Et je vous invite également à voir le résultat final au musée. Et maintenant, je passe la main à Damien, je crois. Pour continuer avec la fabrication volumique dont on s'est chargé pour la collection de géologie du musée, il y a toute une partie qui a été faite à partir de relevés sur site. C'est un ancien site d'extraction de combustible nucléaire, sur lequel on a retrouvé au cours de fouilles des empreintes fossiles d'animaux préhistoriques. Alors, on a envie de dire que c'est des dinosaures. En vrai, c'est pas des dinosaures parce que c'est des animaux qui sont apparemment antérieurs aux dinosaures, mais c'est des animaux préhistoriques. Ces empreintes sur site ont fait l'objet de moulages dans les années 70. Donc de moulages en résine qui ont été conservés dans les collections du musée. Là, on voit le géologue avec qui on a travaillé pour l'élaboration de la collection de géologie, qui explique à l'équipe les empreintes de pas de ces animaux. Donc ces relevés qui ont été moulés sur le site nous ont été prêtés. Là, on me voit en train de merdonner dans l'atelier d'effets spéciaux. Nous ont été prêtés pour faire des... Excusez-moi, j'ai été distrait. Donc ces moulages nous ont été prêtés pour faire une numérisation 3D, à partir de laquelle on a créé on a recréé des pièces en vue d'être usiné de nouveau pour le musée, pour les collections du musée. Donc là, on voit un scan 3D qui a été nettoyé. Ça, c'était pour un prototype qu'on a fait dans un premier temps d'empreintes pour valider que ça marchait, quoi. Donc ça, c'est l'empreinte d'un animal qui a des centaines de millions d'années, qui a été enterré, moulé, numérisé. Qui a ensuite été recomposé. Là, on voit chacune de ces cellules sur une grille de 4x3 fait de l'ordre de 1m50. Donc, on voit que c'est une énorme dalle. En gros, ça fait 12 mètres ? 40 mètres carrés. 40 mètres carrés. Bon, ça fait 40 mètres carrés, ce qu'on voit là. Et en fait, ça représente une recomposition des différentes empreintes. On voit les tracés, on devine en tout cas les tracés des empreintes des animaux et du grain de la terre à l'endroit où les relevés ont été faits. Alors tout ça est recomposé. On n'avait pas un moulage de 40 mètres carrés, on avait des petits bouts et on a recomposé une carte de déplacement. Donc là, c'est un peu la même idée que ce qu'a exposé Kevin juste avant. C'est on a une carte 2D qu'on vient utiliser pour faire un déplacement dans notre programme de 3D.
qui est ensuite, alors là c'est pas nous qui nous sommes occupés de ça, c'est l'entreprise Sequoia à Paris qui a fait l'usinage en petits bouts. Alors là ce qu'on voit c'est chaque petit bout qui est usiné puis après recomposé sur le musée, sur le lieu d'exposition. Et après cette étape, on voit le peintre en train de travailler derrière pendant que d'autres travaillent moins devant. Qui a fait un boulot dingue pour peindre 40 mètres carrés en 3 jours sur les genoux. Et donc là, c'est le musée avant son ouverture. Et donc cette dalle est ensuite éclairée. Elle sert à un processus pédagogique dans la salle pour montrer déjà l'existence de ces animaux qu'on connaît pas beaucoup et une hypothèse sur leur locomotion, sur leur manière de bouger, de nager, de marcher dans le territoire à l'eau des voies il y a des centaines de millions d'années. Encore une autre pièce qui est une maquette sur laquelle on a travaillé. Alors là, ce qu'on voit ici, c'est un schéma initial qui nous a été envoyé par l'archéologue du musée, qui représente les causses. Alors c'est un site dans la région du Lodévois où il y a des trouvailles archéologiques remarquables qui ont été faites. Je ne sais pas si on lit bien à l'écran, mais l'idée c'est qu'en haut à droite de l'écran, on voit des maisons. C'était des gens qui habitaient là, un petit village il y a plusieurs milliers d'années. Par lesquels on pouvait accéder à une grotte qu'on appelle une grotte citerne, c'est-à-dire que les gens qui habitaient là mettaient des énormes poteries, celles qu'on a vues un peu plus tôt sur des photos, sous les stalactites, et donc venaient récolter l'eau à cet endroit-là, puiser l'eau, parce qu'ils n'avaient pas de puits, donc ils avaient leur poterie qui remontait à la maison pour avoir de l'eau potable. Ça, c'est un plan en 2D qui nous a été transmis pour après nous faire une maquette en 3D. Donc, toujours de la même manière, on ne s'occupe pas de l'usinage, mais en revanche, on a fait le dessin 3D à partir de ce schéma d'archéologue, avec des détails sculptés, en fait, dans une maquette. Alors, si jamais vous ne connaissez pas ce processus de CAO, c'est assez compliqué en fait. Quand on fait de la 3D, on a tendance à travailler un peu comme un dégueulasse et à ne pas s'occuper de la topologie ou du maillage. Et tant que ça marche visuellement, c'est bien. Quand on fait de la fabrication, c'est moins vrai. Soit de l'impression 3D, si vous en avez fait, c'est un peu compliqué. Ou de l'usinage, on a intérêt à avoir des maillages qui sont le plus propre possible et propice à la fabrication. Donc là, c'est la maquette telle qu'on l'a rendue en 3D. Et ensuite, on voit installée dans le musée la maquette telle qu'elle est présentée dans la collection au milieu des céramiques que j'ai évoquées. Donc juste à côté dans la pièce, il y a les céramiques en question, il y a des explications sur le processus de ces hommes préhistoriques. Et dans la même collection archéologique toujours, il y a encore une autre pièce qu'on a en partie réalisée qui sont les cartes projetées. Alors ce qu'on voit là en fait, ce sont des cartes en relief de la région sur laquelle on projette à l'aide d'un vidéoprojecteur qui est caché dans le plafond des informations, des couleurs, des pictogrammes qui permettent d'exposer, de visualiser ou d'illustrer des phénomènes pour certains archéologiques et pour d'autres géologiques dans le musée. Sachant que donc la table, on va voir un peu plus tard sur d'autres images, la table est réalisée en volume. Il y a un vrai relief, on voit les montagnes, les collines, les vallées, etc. Donc tout ça, c'est modélisé toujours avec un peu un système similaire de cartes d'élévation. Sauf que la différence, c'est que là, ce que vous voyez là, ça n'a pas été peint à la main. C'est une carte en niveau de gris comme précédemment. Mais sauf que là, on a,
utiliser des données libres de la NASA et de l'USGS, qui est une autre agence états-unienne, qui donc des cartes de données d'élévation numérique, de modèles d'élévation numérique, ou d'IEM en anglais, qui ont une précision de l'ordre de 30 mètres par pixel. C'est-à-dire que chaque pixel de cette énorme carte représente 30 mètres. Autant dire que c'est assez précis et que n'importe qui, vous et moi, peut utiliser ces données et en faire soit des choses comme ça pour des musées, mais soit n'importe quoi. Si vous avez envie de vous marrer, ça, c'est accessible. Là, c'est un rendu 3D de cette carte. Je vais passer un peu vite, mais il y a tout un processus d'élaboration de cette carte avec le personnel du musée pour que ce soit représentatif de leur discours muséographique. Et il y a aussi tout un processus de design, en fait, parce que il faut que ce soit beau, si possible, mais il faut aussi que ce soit conforme aux attentes muséographiques, mais également à l'identité graphique du musée qui a été élaborée par les designers qu'évoquait Flavio tout à l'heure. Alors là, les quatre images qu'on voit sur la gauche sont des étapes de travail pour élaborer la gamme de couleurs qui serait utilisée. Et à droite, c'est deux propositions différentes de pictogrammes représentant des données qu'on voit sur la carte, des sites particuliers. Il y a un article qu'on a publié. Alors voilà, ça c'est la partie. On entre dans la partie marrante. Non, je déconne. Ça utilise. C'est pour récupérer d'autres types de données. Là, on a vu avec les données de la NASA l'élévation. Avec ce bout de code et en allant sur ce site, on peut récupérer des informations à partir de la base de données OpenStreetMap, qui est une base de données cartographique libre. On peut récupérer les emplacements de rivières, les emplacements de la mer, de différentes villes, des rues, de à peu près tout ce qu'on veut, en faisant une requête sur la base de données. Je vous invite à aller sur notre blog technique, dont vous verrez l'adresse plus tard, si vous voulez en apprendre plus. Là, donc, les rivières qu'on voit là, ça a été récupéré de cette manière sur cette base de données, ce qui évite de dessiner à la main chaque rivière et chaque petite information. Et on voit ici que par rapport au design qu'on avait avant, c'est assez fidèle. Et pourtant, ça, c'est ce qui est rendu dans Blender, en fait. Donc, il y a tout un travail d'interprétation pour être fidèle à la fois au design, à la fois à l'intention muséographique. Donc, ça donne ça. Quand on est sur place, on voit mieux peut-être que dans cette photo l'importance du relief, en fait. Est-ce que ça permet de se rapprocher comme information? Là, on a deux vues différentes d'une même table, parce que c'est animé, en fait. Tout ça, c'est projeté, mais il y a de l'animation qui permet d'illustrer des phénomènes. Et donc, il y a tout un côté pédagogique et je trouverai pas le mot, alors c'est pas grave. Et donc, une autre vue d'une autre table. Je vais passer la parole à Flavio ensuite. Alors, on ne voit pas grand-chose sur cette photo, mais on arrive sur la fin de ce projet. Donc, on vous a montré que quelques extraits, mais il y a une heure de contenu sur ce projet. Il y a 25 programmes différents, de typologies différentes. Mais il y a eu une phase d'installation. Une fois qu'on avait fait les films, on a travaillé avec les différents partenaires du projet, notamment Videlio, là, pour la synchronisation des projecteurs, la synchronisation des projecteurs sur les cartes projetées, etc., pour que les choses soient calées au bon endroit. On a travaillé sur place pendant plusieurs jours dans des conditions rigolotes. On peut voir par exemple la carte en relief dont on parlait juste avant, la même, avant qu'il y ait les projections. Donc là, on voit bien le relief de la carte. Et le musée, c'est un peu sombre, mais le musée, c'est fini d'installer. Donc là, on voit les cartes en situation, par exemple. Et le 6 et 7 juillet, il y a eu l'ouverture du musée.
Il y a eu beaucoup de monde pour cette inauguration, c'était assez chouette. La ministre de la Culture est venue aussi inaugurer le musée, il y avait l'équipe d'effets spéciaux sur place. Il y a eu un très bon accueil de l'ouverture du musée, notamment de la presse, qui a vraiment, vraiment apprécié les multimédias qu'on a pu créer. On a évoqué Blender, on n'a pas nommé, mais on a la plupart des recherches graphiques qu'on a vues tout à l'heure sont faites sur Krita. Mais quand on travaille sur un projet comme ça, il y a aussi plein d'autres logiciels libres qu'on va utiliser de façon directe. Là, clairement, ça, c'est ceux qu'on utilise nous quasiment tous les jours. On utilise beaucoup de Python, il y a des logiciels de système ou réseau, il y a des logiciels pour toute la partie web et il y a beaucoup d'outils pour faire du graphisme. Donc on voit qu'il y a un écosystème qui peut être assez lourd rapidement. Et encore, ça, c'est ce qu'on utilise nous directement, mais indirectement, forcément, derrière tout ça, il y a encore plein d'autres logiciels libres qui tournent. Hein. Donc on peut imaginer que c'est assez compliqué. On utilise aussi des logiciels qui ne sont pas libres, je dois l'admettre. Sur ce genre de projet. Ceci dit, je voulais aussi faire un petit focus sur deux logiciels en particulier. Le premier, c'est un logiciel qui s'appelle Cabaret. C'est un framework, c'est un asset manager. C'est un... Je vais avoir du mal à le décrire en 30 secondes. Alors, c'est développé par Damien Kourou, qui est un développeur chez Supermonks, qui est un studio qui est à Paris. Ça ne sera pas très parlant, mais en gros, ce qu'on fait avec ce truc-là, c'est on va décrire notre workflow, donc qu'est-ce qu'on veut faire et comment on doit travailler, et notre data flow, c'est-à-dire comment les données vont évoluer dans notre projet. Et en appuyant sur un bouton, ça me fait une interface graphique automatiquement. Moi, j'ai jamais codé, je peux coder ce genre de choses, mais j'aurais jamais besoin de préciser comment et pourquoi. Et en plus, ce flow que j'ai décrit en programmation, c'est du Python, c'est pur Python, peut me servir en ligne de commande ou en script. Donc, je peux être dans Blender et importer ça et dire tout ce qu'on voit en vidéo ici, les actions qu'on lance ou qu'on clique ou ce genre de choses. On peut créer un script dans Blender qui fait exactement la même chose. Donc, par exemple, créer une version, sauvegarder le fichier, le transférer au client. On pourrait imaginer n'importe quoi. Parce que Cabaret, c'est un framework, donc c'est genre juste un bac à sable et on fait ce qu'on veut dedans. Alors il y a plein de choses à faire, il y a plein du temps à passer dedans aussi, mais ça, c'est notre fondation qui nous a permis de gérer les versions de fichiers, que les graphistes ne travaillent pas les deux en même temps sur un même fichier ou ce genre de choses, et créer et simplifier le travail pour les graphistes. Et moi, ce qui m'intéressait là, c'est la notion de mutualisation aussi. C'est un logiciel libre, donc il est disponible, hein, Cabaret, sur cabaretstudio.com. C'est un logiciel libre, mais c'est le fruit d'une mutualisation aussi de studios qui répondent à une problématique. Alors, c'est un logiciel de niche, hein, c'est une problématique très précise, bien qu'on peut l'adapter à n'importe quel besoin. Je sais qu'il sert, par exemple, chez un photographe qui s'en sert pour gérer son stock de photos, par exemple. Donc, puisque c'est un framework, on fait ce qu'on veut avec. L'autre logiciel qu'on a mis en production, c'est l'ensemble des solutions de CGWire, à savoir qu'il y en a trois. En fait, il y a un truc qui s'appelle Zoo, qui est une base de données, Kitsu, qui est une interface, et Gazoo, qui est une API. Et c'est un logiciel de suivi de production. Donc là, on va dire, on attend de départements à suivre, on attend de plans à fabriquer, on attend d'assets, de personnages à construire. Et c'est ce qui va nous servir à faire le projet. On a beaucoup de difficultés à utiliser les logiciels de suivi de production traditionnels, on va dire. Sur des films d'animation, parce que si on a un long métrage à 1300 plans et sur chaque plan il y a 10 départements, bah déjà on a 13 000 tâches. Et dans ces 13 000 tâches, il y a plein d'itérations et plein de versions, et c'est très compliqué dans certains logiciels de les suivre. Et là, ce logiciel, c'est aussi le fruit d'une collaboration. Finalement, on est plusieurs studios à avoir participé au développement financièrement en payant le développeur pour qu'il rajoute des fonctionnalités. Ça avait commencé par Unity Image, il y a eu nous, et là maintenant il y a un studio qui s'appelle Cube Creative qui participe au développement. Donc chacun paye pour des fonctionnalités et tout le monde en profite. Donc on travaille comme ça. Alors un projet comme ça, il se fait pas aussi avec une équipe. Ça, c'est notre équipe directement qui a été impliquée sur ce projet. Alors pas tout le monde en même temps, hein, parce que il y a quand même un paquet de monde. Ça peut être en phase, bien sûr. Voilà, c'est ce que ça demande de faire une heure de contenu pour un projet. Il y a du multimédia, il y a enfin, interactif, il y a des choses en volume qu'on a pu voir, il y a des choses, des films d'animation, des schémas, il y a plein de trucs différents. Ensuite, pour un petit coup de pub et pour terminer, donc nous on est l'effet spécial, on partage notre code sur GitHub, pas tout ce qui est nettoyé et surtout qui est intéressant de façon autonome, parce qu'on peut faire des scripts qui sont dans un écosystème de solutions pour un projet qui n'ont aucun intérêt en dehors de chez nous, mais on partage des choses. Et on a créé ce blog qui s'appelle La Cuisine,
Pointec, qui est le blog de l'équipe technique, où on partage, dès qu'on fait un plugin, on fait un petit article pour raconter comment on l'a utilisé, ou alors comment utiliser OpenStreetMap pour récupérer des tracés. Il y a un article très récent sur ces questions-là, par exemple. Donc, en plus du blog du studio, qui est un blog de studio, on a vraiment un blog orienté technique. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter si vous le souhaitez. Et nous poser des questions, hein. S'il y a des questions particulières, on pourra en faire un article à l'occasion. Et voilà. On va terminer avec un deuxième film, pour quand même que vous voyez un autre extrait, notamment celui où il y a un peu de fumée qu'on a vu tout à l'heure et qui mélange un peu tout ça. C'est pas le même clan, donc c'est pas les personnages habillés en jaune qu'on a vu tout à l'heure, c'est un truc un peu plus ancien, ça se passe 16 000 ans avant notre ère. Alors, j'en profite pour toucher, comme il n'y a pas de parole sur les films, c'est vachement pratique, je peux continuer à parler. C'est une volonté, bien sûr, parce que déjà, on ne savait pas de quelle langue ils parlaient à l'époque. Mais c'est aussi que c'est un musée, donc il y a des guides qui expliquent aux gens ce qui se passe. Et donc là, par exemple, c'est les techniques de pêche et comment, à côté de Montpellier, un site qui s'appelle le Pont du Diable, on a trouvé un espace de fumage de poissons. Donc, bon, il y a des détails qui sont expliqués aussi autour des films dans le musée. Mais il y avait cette notion aussi de faire des films avec un bruitage assez limité pour, un, pas gêner les gens qui sont autour. Parce que c'est dans une salle et qu'on a un truc avec beaucoup de musique qui revient, ça peut prendre la tête. Et aussi, que les guides puissent parler. C'est un travail de bruitage un peu particulier, ce qui fait que les films sont un peu bizarres à regarder tout seul en dehors du contexte du musée, mais ça marche vachement bien en contexte directement. Voilà, ça, c'est un film qui tourne en boucle. Donc la petite fille va redescendre comme on l'a vu au début, elle apporte le poisson frais là-haut, il est fumé, ce qui permet ensuite aux gens de là-bas de l'époque de garder le poisson 5-6 semaines ensuite. Donc c'était assez pratique. Voilà, en tout cas merci de nous avoir écoutés, si vous avez des questions on est là et bonne soirée. Tu as dit que le projet là, du musée c'était un an et demi. Votre participation, ça dure à peu près combien de temps? Alors, c'était notre participation. Alors, la question, c'est combien de temps dure notre participation? Le projet, en fait, du musée, de la rénovation du musée, c'est 7 ans. Nous, notre intervention, elle dure un an et demi. Donc, la dernière année et demie avant la sortie. Le projet, ça fait très longtemps qu'il travaille dessus. À partir du moment où il y a la volonté de refaire un musée comme ça, il y a 4 ans de travaux. J'ai pas précisé, mais il y a 4 ans de travaux. Le musée a été fermé pendant 4 ans. Pendant ce temps, il y avait des expositions hors site, hors les murs, pour continuer à avoir un peu d'activité. Mais toute la recherche, d'architecture, de scénographie, etc. Ça a pris beaucoup plus de temps au début, puis les travaux, puis au fur et à mesure que les choses s'affinent, ils ont fait l'appel d'offres pour la partie multimédia, mais du coup, nous on intervient à la fin. Et à partir du moment où on a l'appel d'offres, on a même pas un an et demi, on a un an et 3 mois pour faire tout ça, les recherches, comprendre tout ce qu'ils veulent faire dans une heure de film, avec des typologies de médias très différentes, des comités scientifiques aussi très différents. C'est pas les mêmes ceux qui font l'archéologie que ceux qui font la géologie, par exemple, forcément. On n'a pas beaucoup parlé de la géologie, mais il y a une demi-heure de film sur comment l'ODEV est devenu l'ODEV aujourd'hui et par où on est passé. Il y a 500 millions d'années, le territoire du Lodévois était en Australie, en fait, donc il a beaucoup bougé. Et donc ça, c'est raconté à travers différents films. Et donc tout ça, c'est pour ça que ça dure autant de temps et que ça prend du temps. Après, il faut fabriquer les films. En fabrication, il y a 9 mois à peu près, je pense, vraiment de fabrication. Et l'autre moitié du temps de pré-production, de qu'est-ce qu'on va fabriquer. Donc les recherches graphiques, pourquoi, et les histoires, et les scénarios, les storyboards, etc. Donc nous, on a un an et demi et nous, on a la contrainte de le musée doit ouvrir le 7 juillet. Et on peut pas livrer le disque, quoi. Il faut que ce soit livré avant, d'autant que des fois ça peut être long d'avoir les informations de certains comités scientifiques voilà. Donc il y a beaucoup, le processus est assez long, mais il y a pas mal de travail pour en arriver là. Bravo. Okay. Il y a d'autres questions? Oui. Alors la question c'est, on a utilisé des données, des données géographiques de la NASA et d'OpenStreetMap. Est-ce qu'on est sûr que... Ils
qu'elle soit correcte par rapport à ce qui s'est passé il y a 5000 ans et ce qui est visualisé dans le musée. Alors la réponse est le cours des rivières, par exemple, qu'on voit là, n'est pas du tout celui qui existait il y a 5000 ans. Mais en fait, c'est pas grave parce que ça visualise le cours des rivières aujourd'hui, si tu veux. C'est on peut pas tout visualiser dans le temps. Il y a une séquence qui montre dans un film particulier qui montre l'érosion en cours du temps dans la partie géologie. Mais sinon, là, les fleuves, c'est plus, les rivières, c'est plus un repère visuel et géographique pour se repérer par rapport à la carte. Là, il y a tel endroit. En revanche, les rivières ont pu bouger en cours du temps. Les reliefs, beaucoup moins. C'est un phénomène d'érosion qui est de l'ordre de plusieurs millions d'années. Donc les collines, les reliefs, ils ont peu bougé Non, pas très. Non, la communauté OpenStreetMap n'était pas très développée au néolithique. Alors, moi, je peux rajouter une petite anecdote sur cette carte qu'on voit pas bien, mais du coup, alors les rivières sur 5000 ans, elles, globalement, si ça s'est pas asséché d'un coup, les tracés sont à peu près similaires. C'est vrai que c'est à l'échelle de millions d'années. Et là, c'est cette partie-là, elle était sur l'archéologie, donc des choses assez proches de nous. Mais par exemple, sur cette carte, on a décidé, après moult débats, de laisser le lac. Alors, est-ce que la souris... Non, en droite, c'est la Méditerranée, donc ça, elle n'a pas trop bougé. Je ne peux pas vous le montrer. Il y a un lac pile au milieu. Et ce lac, c'est un lac artificiel. Il y a un barrage. Et donc, il y a 5000 ans, il n'existait pas. C'est le Salagou. C'est le lac du Salagou, effectivement, à côté de Montpellier. Et il y a eu beaucoup de débats pour savoir si on le laissait ou on ne le laissait pas. Et finalement, il a été laissé, mais avec une couleur différente des rivières, parce que c'est un vrai repère visuel pour les gens qui visitent la région aujourd'hui. Donc, ils voient le Salagou, ils savent où on est par rapport au Salagou. Et donc, alors que c'était dans la collection archéologie, effectivement, ce lac n'existait pas il y a 5000 ans. Donc il y a des choix qui peuvent être faits comme ça. Après, on n'a pas là, on voit beaucoup de rivières et on a l'impression de voir beaucoup de rivières, mais ça, c'est que les ruisseaux qui sont actifs et qui sont présents aujourd'hui, parce que après, quand il pleut, il y a des micro-ruisseaux qui se forment partout, donc on a gardé que le principal. Mais des anecdotes comme ça, il va y en avoir tout le long, sur tous les projets, des choix de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, qu'est-ce qu'on veut montrer, comment on le montre. Quand sur la partie géologie, par exemple, il y a des choses qui sont beaucoup plus, qui sont pas approximatives parce qu'il fallait qu'on respecte des codes scientifiques, donc on nous a fourni des données. Mais des fois, on disait, ça c'est la position, c'est ce qu'on imagine la présence des plaques tectoniques, par exemple, il y a 100 millions d'années. Et nous, on a un gap entre 100 et 80 millions d'années. Et c'est à nous d'imaginer dans un des programmes, par exemple, comment les choses se sont déplacées. Donc avec tout un travail aussi de tech artiste, d'artiste technicien qui va créer des... C'est pas juste une interpolation, ni juste un flou entre deux images. Il faut que ce soit un peu plus propre que ça. Donc tout ce travail qui a été fait pour faire des propositions dans les trous qu'on avait des fois de 10 millions d'années pour faire une animation à peu près cohérente. Donc il y a des choix comme ça qui sont faits, qui sont discutés avec le comité scientifique pour savoir qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire ou pas. Donc voilà. Oui. Vous avez réussi à ne pas avoir trop de retour qui chamboulait tout durant la prod. La prod avait été assez. Nos commentaires. Alors la question c'est est-ce qu'on a eu beaucoup de retours pendant la production qui ont fait des changements. L'équipe des animateurs, par exemple, te dira que entre le scénario et le storyboard, il n'y a plus rien à voir. je pense qu'ils exagèrent un peu. Mais il y a effectivement des changements qui se font au fur et à mesure que l'image se précise. D'un seul coup, des choses qu'on a vues au scénario, qu'on imaginait, qui ne fonctionnent pas à l'image, sont changées, etc. Il y a des comités scientifiques qui demandent plus de changements que d'autres. Je ne m'étalerai pas sur ces questions, mais il y a des comités scientifiques qui sont plus moderne que d'autres. Donc, il y a des changements. Il y a des changements. De toute façon, c'est une production, il y a des changements. La question, effectivement, c'est qu'on a une heure de film à faire en plus en temps limité, de cette qualité-là, sur une heure. Il y a un moment donné où il faut fabriquer les films. Il y a aussi un moment donné où il faut fabriquer les films et les livrer et pouvoir les finir à temps pour ouvrir le musée. Donc, il y a eu certains moments où on a dit ces changements, on ne pourra pas les faire. Parce qu'on n'a juste pas le temps physique d'appliquer ces changements dans les films et les livrer pour que la ministre de la Culture puisse les voir. Donc,
Voilà, ça c'est, y a aussi des contraintes de temps qui peuvent s'appliquer. Globalement, ça s'est quand même vachement bien passé. Nous, je voulais juste finir sur une, voilà, je voulais juste préciser qu'il y a, y a beaucoup d'intervenants sur ce projet et que contrairement à d'autres projets, malgré certaines discussions qu'il peut y avoir, ça a été vraiment très instructif de bosser avec tout le monde et tout le monde a vraiment mis du sien. On a échangé des fichiers avec les graphistes, par exemple, qui avaient fait la signalétique pour s'inspirer soit dans un sens, soit dans l'autre. Il y a eu beaucoup de discussions avec les architectes directement qui étaient très impliqués aussi dans toutes les discussions qu'on pourrait avoir autour des films, puisque les films s'inscrivent dans une architecture, donc il y a des choses qui ont été complètement changées quand on a expliqué que ça pourrait pas marcher ou que ça pourrait être mieux de cette façon-là, et ça a été pris en compte dans l'installation du musée, donc ça c'était plutôt plaisant et ça a vraiment bien marché. Donc cette salle-là, par exemple, elle a beaucoup. Alors là, on voit pas bien, mais c'était le film sur la grotte d'Alden, la fameuse grotte dont j'ai pas vu montrer de photos de l'expédition, mais et en fait, c'est quand on rentre dans le musée, c'est une sorte d'alcôve qui forme. Et on projette là-dessus sans montrer de bord, donc l'image n'a pas vraiment de bord. C'est une grande alcôve. Hein, on est plus petit que le personnage qui est représenté là. Et donc c'est assez immersif. Et les enfants, par exemple, ils sont assez scotchés sur ce genre d'animation. Donc voilà. Donc grosse cohésion globale de ce projet. Et on est plutôt content d'avoir travaillé dessus, d'avoir pu participer à cette ouverture. Et on vous invite à aller voir le musée de l'ODEV. Nous, on vous a présenté que les collections permanentes, mais aussi des expos temporaires. Les collections permanentes sont là pour 10 ans a priori, donc vous avez un peu le temps encore, mais n'hésitez pas à y aller et nous faire des retours. Attention les yeux. Et voilà, merci.